Et salut à tous, c'est Julien Energac pour une nouvelle vidéo sur le jeu Plague Inc, si vous vous en souvenez. Donc aujourd'hui nous allons faire le Vernerax en mode normal, voilà. Donc comme d'habitude, ça, ça et ça. Ouais, mais ça on s'en fout en fait. Ouais, mais on s'en fout, voilà. Parce que oui, le Vernerax c'est ce qu'il y a de plus facile en fait. Nous allons y bon Vernerax N, voilà. Et donc nous allons commencer où? Nous allons commencer en Inde, voilà. On sert manipulé, non je donne. Allez, voilà, apparition d'un Vernerax comme d'habitude. Donc là je pense que le commentaire il va pas être très fort, hein, parce que je juste avant je viens de faire une vidéo sur autre que si vous m'entendez, et j'ai déjà épuisé mon stock, voilà. Donc ça va pas aller très haut, hein. Pouvoir s'en servir une autre cristal, ça c'est vraiment ça. Oui, je sais que le bulle orange vient de l'ADN. Je suis pas débile, je sais. Je ne veux pas que la musique me rentre dans la tête aussi, sinon je vais finir par devenir fou. Bon. Découverte majeure de pétrole en Afrique. La récession, c'est quoi ça? Bon, nous allons commencer à nous infecter, à avoir plus d'infectiosité, hein, mouvement accordéon, mouvement ondulatoire, F1, F2, et c'est tout. Voilà, ça devrait augmenter un tout petit peu l'infectiosité, enfin j'espère. Voilà. Donc ça infecte des centaines de gens, ça c'est très bien. Donc nous allons faire, nous allons aussi activer les avions, hein, résisto. Voilà. Ah bah pour augmenter le nombre d'avions, bah c'est pas mal ça. Allez, on utilise avion porteur 2 comme ça. Il n'aura plus d'avion porteur, plus ce sera cool. Voilà. Ah, il arrive au Pakistan. La Grèce pourrait sortir de la zone euro. Oui, c'est bien probable. Enfin bon, il y a même les Français qui veulent sortir de l'Europe, mais ça j'ai pas très bien compris. Hein, parce que lorsque la France veut sortir de l'Europe, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, à vouloir être dans quel continent? En Afrique, c'est ça, hein? Voilà. Oui, je sais, Plague Inc, oui, c'est un lieu où on parle de politique. Voilà, c'est la discussion principale lorsqu'on fait des vidéos sur Plague Inc, c'est la politique. Donc nous allons faire avion porteur 3. Non, je rigole, allez, on va faire autre chose. Nous allons porteur vagabond comme ça, il y aura plus de d'infectiosité. Et nous allons rien faire, hein, c'est tout. Voilà. Et ça se répand en Asie du Sud-Est. Et bah il y en a 6 millions. Avion porteur vers le Groenland. Non, je rigole. Allez, on va aller. Vas-y, on va mettre ça en Égypte. Comme ça va aller vite. Ah ouais, là, c'est pas un pays chaud, ça. C'est un pays humide. Bon, allez, en Australie. Donc, qu'est-ce que nous allons faire aussi? Nous allons faire inversion génétique. Ça va être plus simple. Voilà. Et régénération mutative. Hein. Ouais, vas-y, on va faire insecte 1 et en capacité nous allons faire aussi porteur vagabond 2, voilà. Nouvelle maladie inquiétante sur pourquoi H et B. Ah ouais, avec toutes les transmissions que j'ai mises aussi, c'est logique, ouais. Ouais, bon, on va mettre ça en Afrique du Sud, voilà. Oui, bon, avec tes médicaments on va les mettre en 16 points, okay. Ah ouais, que j'utilise. Ah ouais, y a personne là-bas. Vas-y, on va voir en Russie. Voilà, allez. Petite résidence de médicaments. Et petit renforcement génétique, voilà. Ah, des frontières terrestres fermées. Mais c'est pas grave, hein, tu sais, il y a l'aérien. Il y a les animaux aussi qui peuvent passer. Bon, faut pas que ça aille trop vite quand même, hein, parce que là, sinon, on va perdre. Allez, on envoie ça en Islande. Bien, c'est un parasite qui a mal. On va voir ça, hein. Japon. Allez, Nouvelle-Zélande.
On va essayer de pas trop s'étendre. Si les aéroports sont fermés, pourquoi il y a des avions porteurs? C'est pas très logique tout ça. Vas-y, on les emmène au Kazakhstan. Bon, allez, résistance aux médicaments 2. Voilà, ça aide plus vite. Ah, on va pas faire ça, sinon il y aura des morts. J'ai pas envie qu'elle meure pour le moment. Donc, nous allons faire régénération mutative 2 et rongeur 1. Voilà. Donc, ça, ça fait une zone aux gens. Vas-y, un petit coup au Japon. Rose Manzer obtient un financement record. Je ne comprends pas ce qu'est ce truc. Vas-y, on commence à envahir la Scandinavie. Oula. D'accord. Waouh, 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 on va se calmer là. Non. Oh, récupère toi. Allez, Baltique. Coupe du monde annulée. Ah, dommage. Bon, toi, c'est pas très puissant, hein. J'ai rien mis dans le Vernorax. Bon, allez. Oiseau 1. Bon, allez, tirer sur son chouchou, quoi, ça fait pas de mal à personne, non. Froid de même, au cas où, on sait jamais. Parce que je me souviens, une fois, j'avais un problème pour l'Islande. Confusion, d'accord. Allez, tu vas aller en Ukraine cette fois-ci. Avion porteur 3. Large migration aviaire attendue cette année. Ah, là, ça va faire mal, ça. Vas-y, on envoie ça en mission. Et bah tiens, tu veux un truc, migration aviaire. Allez, oiseau 2, pour la peine. Et oh, hein, au cas où, on sait jamais, hein. Là, pour ces pays-là, en fait, d'Amérique du Sud. Importante migration aviaire. S'ils sont infectés, de nombreux pays seront touchés par la maladie. Et oui, c'est vrai. Voilà, attends, c'est par la Russie. Quoi, le Grenin, ils ont tout fermé. C'était la fête, hein. Lobe frontal. Voilà, on envoie des trucs en Groenland. Voilà, ça se calme là-bas, hein. Canada aussi. Hein. Remède à 25%, d'accord. Ouais, nous allons essayer de baisser quand même ce truc-là. Parce que ça augmente quand même plutôt vite, hein. Donc on envoie ça en Ukraine. Qui apparemment résiste bien. Ou pas. Voilà, c'est terminé pour eux. Bon allez, Pologne. Je sais qu'il manque de pays là. Pays ici, mais on va les laisser se développer correctement. Ou pas. Perte de mémoire. Ouah, c'est violent ça. Bon, le Groenland, lui, le Groenland comment sombre. Allez, Bolivie. Il y a quand même des pays qui résistent, hein. Ça c'est pas mal ça. Ils sont plutôt tenaces ceux-là. Hein. Autant de résistance au médicament 2 a été effectué. Bon, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que je dois faire là. La peur ralentit l'économie. Oh, quel dommage. Bon, allez, Allemagne. Balkan. Pérou. Choc perspectif, d'accord. Bon, là, on va commencer à faire le méchant, hein. Canada, allez, dernier. Allez, Canada. Et nous allons faire la méchanceté, immaturité, manie, obsession, dévotion, transcendance. Allez, nous allons faire aussi quelques autres symptômes méchants, hein. Hein, nous allons faire aussi agression, encéphalite aiguë, adoration. Voilà, là ça devrait être assez, là ça va calmer les gens. Obsession, éradiquer les vers parasites. Les rapports un peu partout dans le monde confirment une nouvelle position. L'éradication des vers parasites. Chacun semble y mettre du sien. Ah bon. Maudit, première mort. Quel dommage. La Finlande commence à s'effondrer. Islande en pleine anarchie.
véhicule du gouvernement officiel de la Nazi du Sud-Est, comme ça. Journaliste tenu en silence en Afrique centrale. Infection ne reste obligatoire au Pérou. Ouah, c'est quoi ça? Combat mort légalisé au Groenland, Bolivie. Noax au programme solaire au Soudan. Eh ben, j'ai jamais vu ça moi. D'accord. Ouais. Voilà, c'est la mort. Ah, mais il y a des gens qui n'ont pas été infectés, hein. Ça se trouve où? Qui est le... évidemment, les Caraïbes. Oh, je les ai jamais vus. Il y avait un problème quelque part là. Voilà. Waouh, je les ai même pas vus depuis le début. Les Caraïbes, le pays qu'il ne fallait pas oublier évidemment. Hein. Alors que là on est en train de tuer tout le monde. C'est pas très bon tout ça. Ouais, Caraïbes, ouais, ça tue à tour de bras là. Attendez, c'est pas fini. Psychose. Désespoir. Allez. Brouillage cognitif. Ah, plus personne s'aime dans le monde, d'accord. Et voilà, nous avons gagné. Et met l'humanité en esclavage terminé. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sur Plugin. Là, juste après, nous allons faire le virus congelé en mode normal. À tout de suite. Mais je lag toujours, hein, je suis à 12 FPS. Voilà, c'est honteux, je sais. Vraiment, le patch 1.17 ne veut plus nous faire laguer, mais je lag. En fait, réellement, je ne suis pas sur le patch 1.17, mais sur le patch 1.18 avec ce fameux Mercedes MP4, le Mercedes MP4 que je vais peut-être vous montrer dans une future vidéo du multijoueur. Enfin, lorsque je serai en multijoueur, lorsque je ferai une vidéo sur multijoueur à 1.17. C'est-à-dire dans pas très longtemps, hein, parce que nous arrivons... Je suis bientôt en vacances, oui. Le lundi 15 juin, je suis en vacances et donc on va en profiter pour faire quelques petites vidéos, voire même de longues vidéos, hein. Vous me connaissez avec mes très longues vidéos, et nous allons faire ça. Donc d'abord nous allons aller à Salzbourg, hein. Nous allons prendre de la route, des routes sinueuses apparemment, si je crois GPS. D'abord je trouve ma remorque, hein.